小毛毛虾，小毛毛虾，小毛毛虾，小毛毛虾，可小可小毛毛，可小毛毛虾，可小毛毛。C'est parti! Let's go! Oula! Oh! Il y a du monde! Ah ouais, tout le monde rentre du jour de l'an, ça y est! Oh! Oh, c'était que de fou! Il me reste tous les contrôles! Et franchement, il faut dire ce qu'il y a à l'aéroport de Marrakech, les contrôles, c'est très, 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 très lent. Et en plus, il y a beaucoup, énormément de monde. Des gens au moment du contrôle, ils sont trop durs, ils anticipent pas. Genre, tu vas faire contrôler ton sac, ta veste, tu dois poser ta montre. Anticipe, enlève tout avant. Toi, tu te poses comme ça juste devant le tapis avant le scanner. T'es là, tu dois enlever ta doudoune, ton sac, ta montre, ta ceinture, tes chaussures. Le mec devant moi, carrément, il a enlevé ses pièces de centimes de ses poches. Anticipe, enlève tout avant, t'arrives sur le tapis. Tac, tu poses dans ta boîte, ça passe et tu passes. Merci. Je peux pas te croire, j'ai eu le temps de me prendre à manger, je suis trop forte. Il y a la queue en plus dehors, c'est bon. Oui. Une belle journée. Merci beaucoup. Ah ouais, d'accord. En fait, la queue, c'était pas pour Paris. C'était pour ailleurs.
Bon, j'ai essayé de faire une sieste, ça marche pas. C'est fou de jamais réussir à dormir la journée, quoi. J'aimerais trop faire des siestes de 20, 30, 40 minutes. Je n'arrive pas à dormir tant que c'est pas la nuit. C'est relou. Bref, je suis congelée, j'ai archi froid. Je crois que le chauffage de ma chambre, il marche pas. Donc, du coup, j'ai mis le chauffe-serviette de la salle de bain à fond les ballons. Comme ça fait comme si j'avais un gros radiateur dans la chambre qui marche. Je vais pas appeler la réception. Je vais leur dire quoi, la réception? Je vais leur dire, oui, excusez-moi, le chauffage de la chambre ne marche pas. Est-ce que vous pourriez me trouver une solution? Ils vont pas me répondre, oui, on vous envoie un mécano de suite pour vous la réparer. Et flemme, je m'en fous. Et quoi d'autre? Ce serait peut-être cool que... Non mais dis-moi pas que j'ai chopé la crève là. Déjà que demain, je dois faire les vidéos que je dois faire à 8h du matin là, en plein Paris, dehors, avec des petites tenues fleuries d'été. Je suis sûre que je vais choper la crève après ça. Alors s'il vous plaît, laissez-moi au moins pas être avec la crève cette nuit. Ouais, bon, ce serait cool que j'aille me doucher, que j'ouvre ma valise. Genre juste l'ouvrir. Juste l'ouvrir. Juste l'ouvrir. Je voulais pas vous déranger pour ça, parce qu'en soi, je sais pas ce que vous allez pouvoir faire, mais... Ah bah super, magnifique, si vous pouvez appeler un technicien. Magnifique, merci. Vous savez que j'ai recommencé ma cure pour les cheveux abîmés, la Chill et les gummies. Je l'ai recommencé parce que je l'avais testé déjà plusieurs fois, sur plusieurs mois. Et je trouvais que les résultats étaient dingues. Alors, mes cheveux, ils vont bien. Mais étant donné que j'ai refait beaucoup de blond là, dernièrement, et que je fais énormément de brushing depuis que je suis au Maroc, je fais énormément de brushing. J'ai l'impression que, à cet endroit-là, vous voyez, j'ai plein de petits cheveux et j'ai l'impression qu'ils commencent à casser. Donc du coup, je me suis dit, je vais me refaire une cure de 6 mois de la Chillet. En plus, c'est super bon, la vérité. C'est trop pratique à faire et je sais que ça marche réellement. Moi, j'ai eu des super effets sur moi. Ma belle-sœur, ma cousine ont essayé. Elles m'ont dit qu'elles avaient eu des résultats de ouf. Donc c'est pour la pousse, pour la fortification du cheveu, pour la brillance, pour l'entretien, pour la réparation. C'est vraiment archi, archi complet. Cette gamme Nachillet Good Air, elle est trop trop bien. Et si tu l'associes avec celui-là, avec le Good Air Woman anti-chute, c'est parfait. Et j'ai eu aussi beaucoup de retours de votre part, de femmes qui ont suivi la cure Nachillet et qui étaient super contentes. Donc franchement, sans hésitation, là je reprends une cure, donc sans hésitation, forcément, je vous en reparle. Faut savoir que la Chili ne fait pas que des gummies pour les cheveux. Ils font pour plein d'autres choses en même temps. Ils sont vraiment experts en la matière. C'est le premier laboratoire à avoir proposé les gummies vitaminées en France. Alors, ils sont en place depuis 2019. Donc, vraiment, ils s'y connaissent pour eux. Et je trouve que c'est logique et c'est réel. En fait, le bien-être et la beauté, ça ne se traite pas que de l'extérieur. Vous voyez, moi, par exemple, mes cheveux, j'ai beau les entretenir, les entretenir, les entretenir. Il faut avoir un plus, et le plus vient de l'intérieur, et le plus vient des gummies vitaminées. Vous savez que les gummies vitaminées, la totalité du traitement va directement dans le sang. Il n'y a pas de gaspillage comme quand vous prenez des gélules ou des médocs, vous suivez une cure, genre sous forme de médoc. C'est totalement différent, les gummies. C'est pour ça que c'est recommandé
de prendre des gummies quand vous faites une cure. Et comme tous les compléments alimentaires, comme je vous disais, c'est important de faire minimum une cure de 3 mois, sinon ça sert à rien. Et en plus, vous verrez sur le site La Chilée, quand vous prenez des cures de plusieurs mois, vous avez des cadeaux offerts à chaque fois. Donc n'hésitez pas à prendre une cure de plusieurs mois. Elle est là, d'abord. D'abord, elle me dit. Donc, manque. Moi, je vais prendre une carabine, si vous voulez. Est-ce que ça. Ouais, de l'eau normale. Quand tu me regardes comme ça. Ah, il est beau l'œuf, hein. Elle nous a rejoints.